Télésignal vous propose Tendance Hebdo, l'actualité de la semaine passée en revue. Donnez respect à tout le monde, c'est avec même plaisir ensemble pour l'émission Tendance Hebdo. Tendance Hebdo, c'est une émission qui présente comment, avec invité, nous prenons plaisir chaque semaine commenter l'actualité à l'émission Tendance. Semaine, ça nous fait un gros zoom sur différents candidats à la présidence. Nous avons dialogué avec Mathias Pierre, qui est candidat à la présidence. Jean-Charles Hervé, qui sont candidats à la présidence, tout, l'issue parti PENH. Nous avons dialogué avec Jacques Semper, qui posait candidature sous parti clé. Nous avons dialogué tout avec René Julien, candidat à la présidence sous parti ADEBA. Et pour nous finir ce maintenant, nous avons fait mail avec Simon Dieuseul Dera, ancien sénateur de la République, et jeudi, candidat à la présidence sous plateforme politique Palmis. Red branché, après pause, nous prenons le montre comment nous avons dialogué avec 5 candidats à la présidence. Sayo. Gen yon maladi yore le glaucome. Maladi sa, fè tansyon jè a monte. Jou moun nan vin avèk si li pa pren sa bonè. Pren bonè a, se al kay dokte jè ou pou louè si ou pa gen glaucome. Pi bonè, se gran matin. Non pa ta jam imagine kantite moun nan Ayiti ki ka gen glaucome san yo pa santi anyen nan jè. E pi yon jou matin, yo avèk. Glaucome se yon maladi ke ou ka erite nan fami ou. Konsa tou, li ka paret sou sans atan, san pa konnen ke nou genyen. Zami, fèm konfians. Al cheke jodi a menm ka yon dokte G. Pa kite glaucome PTG ou. Se yon konsey ke dispo fè voye pou tout moun ka pren prekosyon ak maladi glaucome an Ayiti. Nous tournons après pause là, merci en pile pour fidélité et attention. Nous avons dialogué semaine ça avec Mathias Pierre. Mathias Pierre, son candidat à la présidence, qui chita vision sur un New Deal économique et social. Pour M. Pierre, origine ou moun pa loué condamné. C'est pour ça, li chita sous relance agricole, li chita sous bon genre éducation, et li kwè tout moun, quel que soit côté la vive, sous 27 700 km², gen droit pour joindre même opportunité. Avec tout le monde. Mathias Pierre. Il faut que tout le monde ait droit à la santé, minimal. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un bon hôpital dans chaque département, il faut qu'il y ait un centre de santé qui descend dans chaque commune, il faut qu'il y ait dans la section communale au moins une clinique mobile qui peut bailler le premier soin. Ou pas bon soir, toi, fort, là, nous considérons le budget national là, et le pourcentage qui est alloué à la santé, par exemple. Donc, c'est pour retourner à la question économique. Le budget n'a pas géré là, il faut dire n'a pas géré misère. Parce qu'il y a 500 000 personnes qui travaillent. C'est ça, secteur privé haïtien arrivé créer comme job. Pour augmenter le budget national, là, il faut bailler plus de capacité pour le travail. Pour bailler plus de capacité pour le travail, il faut une plus grande distribution de la richesse. C'est pour ça que je prône que, en dernier deal là, au-delà de la question de l'éducation pour tous, il faut que nous gagnions, ça nous relie une décentralisation économique qui fait. Décentralisation pouvoir, décentralisation de l'argent. Décentralisation de l'argent, c'est ce qui peut permettre plus d'emplois à créer. Si aujourd'hui, je crée une banque de développement, je déplace une partie dans l'épargne nationale, je mets dans la banque de développement, je permets une ouverture de crédit à plus de monde pour jouer accès à crédit pour créer plus d'emplois. Je prends 300 000 jeunes, dans pile jeunes que je viens dans le pays, je forme, je prépare pour être capable de créer une entreprise. Je chaque créer deux entreprises, ça va me trois entreprises pour 300 000 jeunes, ça va me 900 000 emplois de créer dans le pays d'Haïti. Si je crée 900 000 emplois, et ceci peut se faire sur 5 ans, à travers et des projets bien spécifiques, à travers des secteurs clés dans l'économie qui cap créer emploi, quand coup agriculture, quand coup financement de pour production nationale, etc. Sous prend élément ça, ça permet au gain au lieu de 500 000 monde qui travaillent formellement, 1,5 million monde qui travaillent formellement, systématiquement ou augmenter revenu l'État. L'augmenter revenu l'État parce qu'on crée plus d'emplois, ça permet l'État d'avoir plus de capacité pour faire investissement social. Je veux dire, nous gardons revenu l'État par rapport à ça lié, je veux dire. Grand quantité de monde qui a créé emploi il était tout petit, quantité d'emploi qui a créé tout petit, et puis certainement corruption qui a rongé pays fait que nous pas capable augmenter les revenus de l'État. Je veux dire pas garder revenus de l'État dans sa lié je veux dire c'est garder comment nous capable augmenter à travers décentralisation économique là qui c'est distribution l'argent qui pour faire dans pays. C'est ça fait moi dit monde éducation l'argent, ça veut dire que faut distribuer l'argent pas bay moun kob, mais à travers capacité au développement capacité yo pour créer entreprise. Parce que 80% emploi qui créent dans le pays, c'est moun ouè dans la rue, mais c'est emploi de survie, microcrédit,
3% mois ou 36% de taux d'intérêt, moun se pa kal ken kote. Je vous dis, comment permettre ou faire une ouverture économique pour intégrer plus moun dans la dynamique économique là et pays à créer plus richesse. En tout cas, c'est sous son parti. Bon, Mandos, une question, par exemple, environnement. Environnement, moi, quoi que, je veux dire, c'est un pigou défi qui gagne. Et l'opre environnement, moi-même, est très lié avec la question de l'agriculture. Je veux dire, il y a une question de un pile stratégie qui montre qu'on peut faire mon utiliser gaz, pour pas utiliser bois, parce que ce n'est pas tout à fait évident en Haïti. Ou qu'à créer des zones forestières et forestières en Haïti, côté qu'on dit, on peut planter, ça aurait les bois pour mon couper pour faire charbon. Et on dit, OK, ça, c'est zone pour produire bois pour faire charbon. Et puis, zone ça, c'est des zones qui protégées par de, mais en plus, c'est que majorité de terres qui gagnent un pays, ils restent vides parce qu'ils n'ont pas cultivé. Ils n'ont pas cultivé parce qu'ils n'ont pas de support à l'agriculture. C'est pour ça, banque de développement en tout, supposé prendre forme de banque agricole dans le milieu agricole, qui peut permettre de nous financer l'agriculture à travers des avances que nous avons paysans sous forme de engrais et semences, pour être capable de financer la production nationale là, certainement aider dans la transformation de produits agricoles, et là, nous capable de permettre de nourrir les pays. Capacité pour augmenter la production nationale à permettre nous adresser questions environnementales parce que nous pas obligé de travailler sous bassin versant yo, nous pas obligé de travailler sous irrigation dans pays hein, qui pour permettre que au lieu que nous gain rivière yo cap détruire la terre, n'a pas le protéger yo, tout ça c'est des instruments qui capable permettre nous créer travail, qui pour permettre nous améliorer l'environnement d'Haïti au lieu d'importer 2 milliards de dollars de la République dominicaine, 450 000 tonnes de riz que Haïti besoin d'un à peu près 300 000 tonnes importées chaque année dans le pays d'Haïti. Je pense que nous sommes capables d'augmenter la capacité de vallée de la Tibonite là pour diminuer l'érosion qui gagne dans le pays là, et certainement augmenter la production nationale pour Haïti qui a baissé les manger. C'est des objectifs que nous avons tête nous dans 5 ans qui viennent là. Sécurité. Ce question de sécurité, je pense que la police nationale là, je dis, elle est trop gros. Et je dis, l'homme dit trop gros, on chef de la police qui porte au prince, qui a baissé l'ordre même pour Pillon. Bah comme monsieur que j'aime contre Pillon par exemple ou bien j'aime contre les Anglais. Pour Jean-Charles Hervé, c'est depuis le tout petit l'idée pour le président j'aime dans tête li. Comme ça, éducation, santé, sport, c'est tout ça les prioriser dans vision quinquennale li. Monsieur Jean-Charles Hervé, pas un candidat à la présidence que moun trois connaît, mais li croit expérience li prend dans pays étranger et en Haïti à permettre que li entrer dans cœur ak nan homme. Population haïtienne, non. Jean-Charles Hervé. Ça n'a pas fait. Comme gouvernement, eh bien, a fait ouais, moi, cet homme ça, que maman petite a cassé tête pour trouver rad, pour trouver souliers, pour trouver livre. Eh bien, sous gouvernement, Jean Hervé Charles, ça n'a pas existé. Nous avons pris un depuis classe maternelle, nous prenons lit, nous payons pour lit, nous avons gagné l'école primaire, nous avons gagné l'école secondaire, nous avons gagné l'école professionnelle, nous avons gagné l'université et tout ça gratuit pour tout Haïtien. OK. Côté nous avons moyen pour nous faire ça et côté nous avons infrastructure scolaire qui est adéquate. Parce que même le programme Sugoa, nous avons payé 10 ans, nous avons des problèmes, nous avons donc nous avons regardé avec au fond. Et puis infrastructure scolaire qui est disponible pour sortir. OK. Nous avons côté nous avons trouvé quoi. Et le gouvernement Matéli fait un travail que un peu de monde critiquait, mais cependant, 350 millions de dollars ça, que la diaspora, ben non, avec les transferts, avec l'école back and forth, eh bien, l'agence n'a pas légalisé, n'a pas fait que le Parlement approuvé, et puis n'a pas rentré dans le budget de l'État, et normalement. Donc, et avec 350 millions de dollars, ça, nous avons fait un pile bagaille sur le plan d'éducation. Plus, pour l'université, mettez 100 millions de dollars. Quand on n'a pas trouvé 100 millions de dollars, ça, 100 millions de dollars, ça, c'est dans les jeux de hasard, loterie nationale, même bol que nous avons, la République, j'ai payé une petite taxe là-dedans. Tu vois? Donc, ça, c'est pour l'université. Mais les 350 millions, c'est pour l'école primaire et secondaire. Qui genre de l'école primaire? Là, nous allons prendre temps pour nous bâtir l'école ou bien nous allons faire des partenariats publics-privés encore? Bon, non, l'école sont bien publiques là, surtout. Et... Non, mais capacité d'accueil, c'est la mienne à voir, oui, qui capacité d'accueil nous avons pour ça. Bon, m'explique. Oui, après, comme on a dit, observez que dans un rien de temps, ils ont monté n'importe l'école. On a besoin d'une grosse infrastructure, on prend pour l'école. On prend des bâtiments en jardin, tu vois, café,
nous avons fait l'école n'importe côté. Et moi-même, c'est comme ça qui est encore. Dans le monde entier, surtout aux États-Unis, nous avons une bande de professeurs diaspora qui ont envie que nous ouvrions le tapis rouge pour eux, que vous venez de nous. Mm-hmm. Et génération PAM, ou bien même génération avant moi, ils ont l'âge de retraite déjà. Ils ont paré pour venir de nous. Donc c'est pour nous ouvrir bras nous, bien grand, mm-hmm. pour trouver tout professeur ça, professeur qui était formé au Canada, qui était formé au Québec, qui est là. Professeur qui est allé en Afrique, qui est là. Mm-hmm. Donc tout professeur ça, nous entrons. Non, madame professeur, beaucoup là, mm-hmm. nous avons parlé avec vous, l'école, mm-hmm. qui est prend de prendre des petits mondes depuis la maternelle, mm-hmm. pour arriver avec les juste dans l'université. Comment on peut prendre, quand on peut mettre bon référence pour programme Sugoa, côté mm-hmm. l'État obligé acheter service dans mes privés. Mm-hmm. Et ça, il y a des problèmes. C'est là, mais avant. Bon, et nous avons l'État qui paraît le pays, qui paraît le peuple haïtien. C'est ça que nous avons depuis près de 60 ans. C'est ça que nous observons. Parce que moi, j'ai 69 ans. Mm-hmm. Depuis Paul Magloire, je n'ai pas encore trouvé un bon État du tout. Donc, et sans question de bonne foi, on prend l'orgue une bonne foi, l'orgue voulait tout bon, ou crase des montagnes, on prend ou fait bagaille, arrive bien vite. Intéressant. Il y a deux bagailles que le candidat me recevoir sur le plateau, ça n'a pas trop parlé de yo. Mm-hmm. Sport avec mon troisième âge. Qui sa sport pour le gagner? Qui place sport pour le gagner dans le gouvernement pour là? Bon, moi-même, son, malgré que je semble âgé, 69 ans, moi je fais sport chaque matin. Ouais. Et donc, moi, garder sous exemple la Chine, côté que et chaque matin, tout grand monde, tout petit monde a fait exercice. Donc, je vais aller plus loin, je dis que Haïti, sous garder dans le livre, Haïti va se réveiller au son du tambour. Mm-hmm. Elle a dit, c'est avec tambour que nous avons fait chaque jour, chaque matin, chaque après-midi. Et tout le monde qui voulait a venu faire exercice avec un moniteur que l'État a payé pour ça. Et donc, ni matin ni après-midi. Ensuite, les jeunes, donc, n'a pas embrigadé pour réellement venir sportif. Pas bon exemple. Par exemple, dans chaque section rurale, n'a pas une niche en côté de Timoun qui a joué tennis, c'est-à-dire, n'a pas formé les meilleurs joueurs de tennis dans la section rurale. N'a pas formé tout genre de sport, on prend qu'on a pensé, dans la section rurale, dans la ville, dans la commune. Donc, c'est bon bagaille, c'est bon bagaille petit. Et pour grand monde troisième âge? Et mais c'est même bagaille parce que grand monde troisième âge c'est eux même qui fin ben tout jus. Enfin que vous avez gagné pour non seulement pour faire nous-mêmes, mm-hmm. mais pour faire l'État, pour faire nation en continuer. Donc l'État après non seulement encadrer eux mais fait que jeunes yo aider eux tout, mm-hmm. tu vois. Donc pays d'Haïti après un bel pays. Vous sentez que vision programme politique ou passé dans niveau société? Nous sentons. Parce que le peuple a dit, Maître Charles, c'est où nous voulons. Il y a trois personnes qui disaient, vous dites, bon, on va avoir un peu de surprise. René Julien, chita campagne électorale, li, souyon l'État qui chita sous la loi. Juriste de formation, président et fondateur de l'Amicale des juristes. Maître Julien, quoi aujourd'hui, pays d'Haïti, faut qu'il coupe fâché avec ancien système. Non. C'est pour ça que Maître Julien propose comme un monde qui peut faire rupture. Maître René Julien. Je dis à qui ça met à faire. C'est un petit clic monde qui n'a ni économie, ni dans la société, ni dans le pouvoir qui a fait comme. Il y a bien qu'on a rien, il a fait comme à n'importe quel prix. Je dis à Sougain, un président de la République qui dit m'a appliqué, bah, changer métier, nous vignes nous-mêmes, c'est dans l'arbitraire, c'est dans la mauvaise condition, on a fait comme, c'est dans tout le bagage. Tout le monde peut le faire comme et puis il fait comme dans bonnes conditions. Tout le monde peut le travailler. Ou pas qu'à qui ton pays réduit non chômage chronique et puis pour parler des pays, je dis à chômage là, c'est la règle. Le travail, c'est l'exception. Alors que l'État, pour créer conditions pour un travail, lui-même, il crée conditions pour un chômage. Donc, René Julien au pouvoir, principe qui dit, ou bien proverbe qui dit, changer métier, la changer métier. On est que on est là, la fonctionner mal, il rentre dans le système, là, parce que le système n'a ouvri pas, il a un système qui ouvre pas, pour un de monde, dans le temps normal, qui n'a pas même clerc dans le tribunal, dans l'office d'État civil, mm-hmm. pour être président, et cap député, et cap ministre, et cap tout le bagage dans le pays. Non, mais la faute au parti politique, c'est que c'est au embauché. Non, la faute, n'est combat à une société
politique qui est en dégrabat. Parti politique fait partie d'une société. Mm-hmm. Soit pour parti politique, il faut aller dans le citoyen. Mm-hmm. Ou imaginez qui est-ce qui fait, qui est-ce qui fait parti politique. Et n'est-ce qui veut pouvoir pas de jambon sa politique et qui fait 10-15 partis politiques. Oui. Donc c'est des bagages qui ont corrigé. Donc nous allons fonctionner dans le pays côté changer maître, changer métier, la loi au pouvoir. Mm-hmm. René Julien Pagan, on joue, il va agir pour essayer René Julien qui a agi. C'est la loi qui va agir, seulement n'a exécuté la loi dans toute teneur. Et rigole. Bon, c'est pas loi qui manque, c'est application, puisque il y a là un pile. Loi ou des jets tout. Non, mais moi, ça me doit dire, il faut passer, mais là-dedans, cependant, il y a des points, je dis, il faut nous regarder avec René Julien qui est président. Santé pour tout le monde, sous présidence pour l'agent, constitution garantie droit à la santé. René Julien, président, le monde va le valoriser. Le monde va le salir. Toute politique, l'État, li fait pour moun joui de yon sécurité sociale, de yon justice sociale, qu'on pa gagne rien pour dire. De voir l'État, yon seul moun kap manje mal ou pas, remédier à la situation, ça veut dire que yon bagay qui manque. Parce que pour ça l'État existe. C'est pour ça que plus mal, ça que dommage, ça que handicapé, ça qui fait, li fait tout et défavorisé, c'est pour lui l'État existe. Et l'État existe pour lui. C'est ça que fait l'État créer conditions de travail pour les gens qui travaillent. Et si les gens arrivent à un point où ils n'ont pas de travail, l'État gagne pour supporter et dans toute dignité. Pas supporter pour dire « Baye bouillon, nèk chita là, vire, comme si ou par contre côté une corps, madame, yon baye bouillon, première dame, président, yon baye bouillon. » Non, il y a une institution qui est l'institution des affaires sociales. Les gens n'ont pas entré, si son chèque, ils prennent le chèque, et puis en grand gens, ils parlent son monde étudiant, ou prennent étudiant, mettent sous ligne, soleil chaud, ils parlent en tchotcho. Comme si on a pu humilier les gens. Mm-hmm. C'est comme si nous avons l'État aujourd'hui qui a fonctionné avec une série de gens qui ne peuvent pas être l'autre bagaille, qui prennent un mal et plaisir pour humilier les jeunes dans le pays, pour humilier les gens. Donc, là, nous parlons d'affaires de santé. Mm-hmm. Nous ne parlons pas de racolage à pied. C'est un problème qui gagne. C'est renverser la situation ça gagne pour remplacer le pont l'autre. Là, on peut renverser, on peut garder les gens. Est-ce que tout le monde dans le pays a gagné? On connaît tout ça, on renverser. Il cause des dégâts. L'on va laisser, c'est à côté qu'on veut de l'eau qui pleine pour jeter le gars. Donc, on mettait le camp et qu'on a poussé chez côté de l'eau à tomber. Ce n'est pas mon travail facile. Puis, gars, ou président, il ne peut pas le faire pendant qu'on vient nous changer le système. Non, il va faire 5 ans côté c'est. On va coller pièces, on va laisser et changer quelques bagages, puisque quand même, on va le faire face avec l'opposition. Pas dire que on va le passer, on va le river, on va le venir sur des velours, on va le virer. Comment on va gérer la question ça tout? Non, avec la loi. Mm-hmm. Ouais, des fois, on va appliquer la loi, tout le monde l'a dehors. Ah, on va mettre garde. On va faire tenter, on le monde l'a dehors dans le sens même pour le bénéficier de la caille. Mm-hmm. Mais on président que le René Julien, d'ailleurs, américain, on connaît. Même te bail, ils font intervention dans le département d'État. Ils te dit que le pays a pas l'autre problème. Et on était en 1992. Ils te dit que le pays a pas l'autre problème, son problème de droit. Je dis à moi-même sûr que surtout les Américains, ils comptent qui est-ce qui est dans la bataille là. Parce que le pays a pas par contre, dans le sens de série de nègres, il faut statut quoi arrêter là pour faire comme n'importe qui genre, pour faire vagabond, qu'on y a, ouais, y a tellement fait en bas, ils viennent faire une confusion dans la société, hein, une société sans pouvoir, sans contre-pouvoir, parce que tout n'est pouvoir, tout n'est contre-pouvoir. Mm-hmm. Soit chercher un syndicat capable d'agir dans sans syndicat qui a fonctionné, ou pas besoin de dans le pays. Hein. Soit chercher une organisation sociale, universitaire, l'école, tant que ça pour faire, ou pas besoin. Ouais, ben, tout le monde besoin marrer nos pieds table et c'est l'État même, et là, mon église, c'est nèg cap diriger qui réduit le pays hein, dans ce sens-là. Nous prenons la proposition. L'homme tourné nous prenons montrer comment nous avons dialogué avec Jacques Saint-Père et comment tout nous avons dialogué avec Simon de Seldeca. Pose la tourné. Deuxième partie émission Tendance Hebdo. Nous avons dialogué semaine ça avec Jacques Saint-Père. Jacques Saint-Père, c'est un candidat à la présidence sous parti clé.
Monsieur Samper, qui est un journaliste, propriétaire de médias, premier monde qui lançait émission Libre Tribune dans le pays en quoi je dis, libre champ que yo bay à n'importe monde pour faire politique, permettre que monde qui gagne bonne vision, monde qui gagne bonne volonté, mettez au sous-côté. C'est pour ça que Jacques Samper proposait tête li comme candidat à la présidence. C'est pour ça qu'il croit, s'il arrivait sous pouvoir 7 février 2016, li pral engager une véritable réconciliation avec toute force vive paysan. Jacques Samper. Je vais dégager cette volonté pour qu'il y ait du crédit en Haïti. Du crédit sans collatéral, parce que au fait, Tamara, il y a eu cette classe qui n'a pas eu de patrimoine avant 1804. Il n'y a pas gagné après 1804. D'où il faut qu'il y ait un accompagnement de crédit pour que les élèves, les enfants de la classe moyenne puissent étudier avec un prêt bancaire. Pas un banque qui va le prêter fielou, mais un banque qui va le prêter l'argent, pas pour le faire comme à un très faible taux d'intérêt pour remettre lui. Là, comment c'est travail, des barrages comme ça. Nous allons développer un crédit pour la classe moyenne, puisque vous faites, on ne gère jamais de richesse en Haïti. Richesse, ça, c'est un petit clic pour nous qui gagne toute richesse pays. Et puis la vague de fonds n'a rien du non, tout. Non, mais nous allons sur ça avec vous. Okay. Justement, je vous dis que c'est une très belle question. Maintenant, pour que le fait que la classe moyenne n'ait pas de patrimoine, il n'y a pas de collatéral, faut que nous joigne. Eh bien, nous voulons, c'est à l'étude, nos experts sont d'étudier ça, arriver au pouvoir, pour que depuis bébé a fait avec le numéro d'identité jusqu'au cimetière. Et les sages-femmes engagent tout le monde pour que nous gagnions identité. Parce que ça a été un petit peu boycotté, c'était bien voulu. Mais sordiade, nous consacrons. Il faut que vous prêtez mon argent, il n'y a pas un collatéral, il faut qu'il y ait une garantie. Monsieur Samper, c'est que l'identité, c'est que vous avez souhaité que des petits mouns en fait, et puis oh, les jeunes... Bébé, il a dit fait, on va s'entendre avec les sages-femmes et tout le reste. Il faut que petit bébé a des villes faites, des villes criées, pour écrire les grands numéros jusqu'au cimetière. Ça permet que vous êtes capable d'identifier les mouns tout bon. Ou qu'on connaît les gens qui ont eu le sens. Est-ce qu'on connaît les Haïtiens et les Haïtiens? Nous ne connaissons pas. Nous voulons que faire comme ça, et là, ça, on a bien accès au crédit. Il y a un côté pour joindre, il y a une garantie que même si on n'a pas de collatéral, parce qu'on n'aura jamais de collatéral, parce qu'on fait tout le monde de gagner. Vous voyez, pour ça. Crise haïtiano-dominicaine. C'est deux pays qui partagent les mêmes îles, mais ont toujours gagné des bails pas 40 ans. Ou même comme président de la République, comment gérer la question ça? Puisque vente nous dépend de la République dominicaine. Temporairement. Temporairement. Et, oui. Et Guéné Bagay, ils sont des compromis politiques qui font que ils ont traité nos si bas. Et Ougandan doit pauvre, manquer de tellement de dignité au monde respecté. Et nos gouvernements traînent un petit peu, rampent trop. Et même en présence de République dominicaine, surtout, dans la campagne, il a fait des compromis, des vérifications, etc. Entre autres, Papé Doumbé qui passait, je pas gagné moi-même, haïtien qui a fait dans ces campagnes, et tout bon vrai. Vous voyez, parce que il y a des redevances qui ne peuvent pas gagner. Maintenant, je vous dis que nous sommes condamnés à vivre ensemble. Eh bien, en fait, créons un climat. Créons un climat. Depuis en 1937, sous Vincent, ils ont massacré 20 000 Haïtiens. Vincent dit ça que ils ont pas gagné l'armée pour gouverner avec la République dominicaine. 80 ans plus tard, ils ont ça même barré là. Ce qui signifie qu'on a qu'une gestion et pouvoir dans le pays d'Haïti, parce que si on est un pays en face qui est hostile, ou t'es dans l'armée qui l'a et nous avons entraîné pour qu'à n'importe quelle attaque, n'importe qui barrage, etc., que frontière bien gardée. Mais ça m'a fait. Mais je vous dis encore, le même discours, nous pas gagné le dominicain. Mais qui demande à livrer bataille contre la Dominicaine. Non, ça va passer là. Depuis Dominique était agité l'article 128-13, Haïtien était de camper, c'est pas faire l'obéissance pour qu'il y ait un bon pouvoir, non, était de camper, font matraquage sur le plan médiatique, sur le plan national et international, sur le plan en fait, organisation internationale, oui, à Nations Unies, pour dénoncer la xénophobie et dominicaine. Non, mais comme ça, tout le monde a commencé à planter tout pour vendre nos dépendants de nous. Maintenant, je vous dis que Haïti est un pays
toutes les terres sont cultivables. Mm-hmm. C'est de l'eau qui manque. Nos programmes, nous gagnons, nous allons faire l'arc collinaire qui existait déjà. Mais nous allons faire. Nous allons accompagner les cultivateurs pour les machines, pour ne pas obliger à faire avec des pioches rudimentaires cultivées. Nous allons gagner des forêts des puits artésiens et mettre des pompes à énergie solaire pour pomper de l'eau côté pas gagner de l'eau. Parce qu'il n'y a pas comme sous besoin de descendre prix manger tout bon. Premier barrage pour descendre, c'est l'agriculture pour attaquer. Maintenant, nous devons savoir que l'État va être le premier client du cultivateur. On n'a pas acheté dans même parce que nous avons besoin de manger pour cantine scolaire, et restaurants sociaux, et nous avons besoin de tout machin acheté à un prix pour ne pas vendre trop haut de façon à baisser le prix manger. Comment on peut prendre l'élection sans ne pas considérer qu'il y a une machine qui est déjà préparée pour faire un monde gagner l'élection ça? Ces positions, sénateur Diocel Simon Dera, jeudi en candidat à la présidence sous plateforme politique Palmis. Sénateur Dera qui fait une série révélation sous plateau tendance semaine ça a dit, jeudi en Jean Bagay la rangé à c'est pour faciliter candidat pouvoir Jovenel Moïse gagner élection yo. Dans mettre l'argent disponible à travers caisse l'état, dans fait des candidats potentiels faire retrait pour sénateur Dera, pas de façon pour quel que soit moun jeudi en pral dans élection. À quoi machine qui range Jean le range à Simon de Soldera. Ou prenez l'élection à un gouvernement qui prépare machine à l'avance. Tant coup, comment? Bon, comme on dit comment, il faut dire que Tamara est un journaliste tech. Non, il y aurait même les mots à vous. Bon, si on dit le comme ça, je vais dire comment. Ou bien ministre finance là? Wilson Lalo. C'est cousin avec Madame Jovenel. Avec ta cousine par alliance. Madame Jovenel, c'est cousine ministre. Là. Ok, donc ça veut dire que Jovenel. En premier cas. C'est cousin par alliance. Oui, ministre planification. C'est une personne qui est dans le bord de PHTK. Ministre intérieur, fait là. C'est des chefs de campagne Jovenel. Non, c'est pour travailler bail dans l'élection législative qui se fait là. Jovenel m'a demandé de mettre le ministre intérieur. Vous connaissez l'homme. Oui, c'est moi qui parle, mon dossier, ça m'a dit. Ça, c'est tendance. C'est moi qui dis ça. Ça m'a dit à mon dossier. C'est fini à l'ouest. Voilà. Ministre de l'Agriculture, c'est Jovenel qui a demandé de retirer, de mettre ça pour lui, parce que c'est ça pour aller. Et ça, nous allons vérifier ça avec nos papiers là, dans l'arrière. Papier à mon trac. Puis que personne ne vient dire papier ça à son trac, papier ça à qui nous gardons là. Trop évidence. C'est pas seulement évidence. Moi-même, informateur bon maintenant, informateur à travailler dans le palais, informateur à dans le sous-sol palais, et informateur à inviter pour moi jouer une équipe. Et pour montrer, je vais vous montrer, rejoindre l'équipe ou avoir perdu dans ce qui équipe par nous. Donc, ça gagne dans le papier. Il dit qu'il faut que Kaoli fasse back. Ça a beaucoup fait. Il faut que Kaoli fasse back dans l'élection. Et il faut que vous fassiez le tarissement du financement du secteur privé, groupe Haïti Chéri. Et il faut que vous divisez votre tête calée. Pour pas diviser, je vais peut-être caler pour Jovenel, donc il faut que Kaoli fait back. À ce moment, il dit il faut faire une mobilisation avec une pile agressivité dans la campagne, pour bouclier lui-même dans la campagne ça, avec Jovenel. Engagement, ça, son bagage écrit M. Madeli Ovelba, son excellence Michel Madeli, président de la République. 12 exigences non négociables pour avancer la marche vers la présidence au premier tour paisiblement. Retrait immédiat de Steve Kaoli de la course présidentielle et allégeance à la campagne de Jovenel. Conséquence. Tarissement du financement du secteur privé. Groupe Haïti Chéri, siphonné par Kaoli. Petit B. Division de vote, des votes tête calée. Néfaste pour Jovenel. Petit C. Agressivité et mobilisation campagne de bouclier préjudiciable à Jovenel. C'est pour montrer l'avantage qu'il y a gagné. Ça veut dire, en termes clairs, pendant nous arriver là, on continue. PHTK a peur bouclier. Voilà. OK. Maintenant, mes formes de tout, PHTK a bouclier. C'est même Mounio. C'est même Mounio Youn. Et puis même sous alliance, ça a fait permettre de son alliance morganatique. Son bébé morné. C'est pour pas arriver loin parce que dans le mi-temps, il y a un problème classe, il y a un problème cool qui pose dans le mi-temps. Maintenant, engagement de la firme Autosola. Pour administrer la campagne, donc, Michel Madeli, et WL, c'est Wilson Lalo, doivent liquider
le contrat de service estimé à plus de 3,5 millions de dollars américains avant le 19 septembre. Comprenez bien. Mm-hmm. Candidat, je vais faire cinéma dans la rue, là, vous comprenez, je me dis bataille arrangée, son bataille est rangée, mais vous faites comme si vous n'attendez pas. Il y a des gens qui ont mis des photos dans la rue. Et bien, elle a fini là. Vous m'avez mis des photos dans la rue. Mais un candidat pour le président. Et trois, décision à appliquer sur les produits dominicains. Ça fait déjà. Suite à la rencontre de Wilson Lalo et de SC du Forum économique pour sécuriser le financement alternatif de 1,75 million et dollars américains pour la campagne. Gestion secrétariat privé JM. OK. Secrétariat privé de JM. Jovenel Moïse. Jovenel Moïse. Donc, là, on dit, bah, il ne va pas passer à terre. Il est obligé de passer son 7 import. Je ne vais pas regarder qui pour, parce que je n'enquête pas, je vais continuer. Mais il a cité le dédié au Cap avec Port-au-Prince. Non, et pas seulement là. Un nouveau port qui fait construire et au viser le dos. C'est tout invité ça yo, nous t'ai porté pour une émission tendance semaine ça. Nous casser rendez-vous à coup semaine prochaine pour une autre émission tendance même genre. Pas oublier pendant week-end qui va venir tendance hebdo. Merci en pile tout le monde, bon week-end sur Télésignal.